Si tu utilises un iPad, tu pourrais utiliser l'application Keynote qui ressemble beaucoup à PowerPoint. Donc, j'ai fait un exemple que je te présente maintenant pour que tu vois à quoi ça ressemble. Donc, dans ce livre, j'ai deux pages jusqu'à présent, mais je peux aller ajouter une page ici en appuyant sur le plus. Je peux ajouter du texte ou des images. Donc, ici, avec le plus, j'ai ajouté du texte en allant sur les formes. Puis ensuite, j'ai l'option du texte. Mais je peux également sélectionner « Images » pour ajouter des photos, des vidéos que j'ai déjà enregistrées dans mon appareil iPad. Je peux prendre l'appareil photo. Je peux également ajouter de l'audio. Donc, je peux m'enregistrer directement. Donc, on va pouvoir lire les phrases. Et il y a d'autres options comme la galerie d'images où on voit plusieurs images au même endroit. Donc, on peut les faire défiler une après l'autre. Lorsque j'ai créé mon texte, par exemple, je peux aller utiliser le pinceau pour changer les options. Donc, les options de style, de texte, de disposition. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on retrouve tous ces éléments-là. Donc, par exemple, la police d'écriture. Donc, je peux aller la sélectionner puis changer ma police d'écriture, la taille, centrée, etc. Donc là, je vais aller à la deuxième page pour te montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, si j'ai écrit mon texte, j'ai inséré une image et j'ai inséré également de l'audio. Donc, lorsque l'élève va cliquer sur ce bouton, il va entendre la phrase, dans mon cas, qui a été dite et il va pouvoir passer à la page suivante. On est capable également d'ajouter des transitions entre les différentes pages. Donc, il y a des transitions qui ressemblent beaucoup au livre, donc les pages d'un livre qui tourne. Au final, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre doit être lu par un iPad, donc dans l'application Keynote. Donc, on va partager le livre en Keynote et l'élève va pouvoir le consulter directement sur son appareil iPad.